Bonjour, il sort ses pinceaux en pleine rue pour mieux imprimer les paysages sur sa toile. Bertrand Domain, castelbriantais d'adoption, est un peintre multivue. Il met en valeur plusieurs plans d'un village ou d'une commune sur un même tableau. Sa passion, l'architecture en général et les vieilles pierres en particulier. J'ai commencé à me faire connaître avec ce type de tableau, à faire des vues composées comme celle-là, de ce format-ci, pour me lancer, et ça a obtenu tout de suite un succès très grand auprès de la population et de la municipalité. Alors je les ai baptisés multivues. Les gens ont trouvé ça original et ont tout de suite acheté mes tableaux en disant que ça ressemblait à des cartes postales un petit peu multivues, donc des cartes postales à plusieurs thèmes. Il y a une très grosse demande, les gens sont très, très demandeurs de leur propre maison, de leur propre environnement, de leur rue, de leur... de leur espace vital. Et au milieu des rues, les gens viennent me raconter leurs histoires, leurs anecdotes, leur jeunesse. C'est super sympa. Bon, on ne cherche pas toujours la perfection, c'est ce que je dis. Bon, ça ne sert à rien, mais s'approcher des lieux, s'approcher travailler sur une perspective, sur un point de fuite, ça c'est intéressant. Mais ce que je préfère, c'est quand même les vieilles pierres et les maisons et l'architecture en général pour... C'est un petit peu l'histoire des villages. À partir de là, j'essaie de travailler sur les églises en cœur de village et rayonner tout autour, tout en essayant d'intégrer un peu de surréalisme pour un bâtiment typique, genre par exemple une mairie ou une plaque de cheminée pour ce tableau-là. Je vais rayonner petit à petit dans les rues de Châteaubriant comme je l'avais fait il y a 5-6 ans et je vais m'attacher à travailler sur les crépis, les enduits et même délabré, au contraire, c'est ça qui donne le pittoresque des choses, pour essayer de magnifier en peinture Châteaubriant. Ce tableau, j'en suis à une dizaine d'heures de travail pour arriver à dégager l'âme des lieux. C'est-à-dire l'atmosphère des vieilles pierres, l'atmosphère un petit peu historique, évidemment dégagée par certains bâtiments ou certaines maisons, et la patine, essayer de dégager la patine des crépis et des enduits, surtout, avec les teintes variant donc au fil des heures. Je ne suis pas prêt d'arrêter, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours, le plus que je pourrai, à la fois pour me faire connaître, laisser une trace derrière moi, et puis ensuite faire des heureux, des gens qui vont longtemps penser à ce que j'ai pu faire et qui vont essayer de me suivre évidemment dans le temps. Après, on verra, j'en n'en ai pas là parce que je ne serai peut-être plus là évidemment pour le voir. Quelques œuvres de Bertrand Domain sont donc à découvrir à l'hôtel Terminus, rue de la Gare à Châteaubriant et au Vieux Castel.